Ça y est, on est là, Clara, t'inquiète pas. C'est mon arrivée. Oh là là là. Ah ouais, non, mais faut pas avoir peur comme ça. Bon, on te comprend, ouais. Chez nous il arrive plein de trucs pareils aussi. Ouais, tout le temps, non, et tous les jours pratiquement. J'ai vraiment peur de ça, oh, non, moi. Mais t'inquiète, non, pleure pas. T'inquiète pas. Mais non, 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 mais ça va commencer. T'inquiète pas. Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on n'est pas chez nous parce qu'aujourd'hui on vient en aide à Clara. Oui. Bon, pour ceux qui la connaissent pas, c'est notre demi-sœur. C'est vrai que vous la voyez pas trop parce qu'en ce moment, il lui arrive quelques trucs pas très sympas. Alors elle nous a appelé, elle nous a appelé cette nuit à 3h du matin comme par hasard. 3h10 précisément. 3h10 du matin, elle a même appelé Lily Rose en disant alors apparemment tu entends des bruits en haut. Oui c'est ça, j'entends des bruits, des pas, des voix, ça me fait trop peur alors qu'il n'y a personne d'autre ici. Donc là on est dans la maison de campagne de Clara. Ouais. Donc elle est en vacances ici pendant 2 semaines. Ouais. Et là depuis qu'elle est arrivée elle entend des bruits. Sauf que pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez, chez nous, il arrive plein de trucs. On entend plein de bruits. Il y a plein de... Bon, il y a notamment la sorcière qui rentre chez nous sans prévenir. Et du coup, on pense qu'il y a un fantôme de notre maison qui est venu ici. En ce moment, tous les gens qu'on connaît, c'est comme si il y avait une malédiction. Ouais. Tous les gens qu'on connaît, il arrive des choses chez eux. Ouais. Donc là, tu... Vas-y, explique un peu vite fait ce qui se passait chez toi. Bah du coup, moi, j'entendais... Dès que je dors, j'entendais pas... Genre comme s'il y avait une grosse soirée au grenier. Et puis j'entendais grosses voix, des gens qui rigolent. Mais ça fait peur, c'est pas des... T'entends des voix au grenier? Oui, c'est pas des gens qui rigolent pour rigoler. Va chercher en bas, tu vois, les trucs pour entendre les fantômes, là. C'est dans la valise. Va vite les chercher. Attends, on va au grenier. J'ai peur. On va. Les amis, on a acheté un nouveau dispositif. Comme vous savez que notre maison est ultra hantée, on a acheté un nouveau dispositif avec Lily Rose qui nous permet d'entendre toutes les voix des fantômes avec un casque et tout. Bon, tu vas être la première à tester, t'es prête? Non, moi je veux pas être la première à tester ça. Si, si, si. On va tester chez toi. Ta maison de campagne, on aime tous passer des vacances. Attendez. Donc on va essayer d'enlever les fantômes. Les amis, là je suis pas serein. J'espère que Lily Rose va vite revenir. On va pouvoir les entendre. Et j'ai même une application pour les voir, ok? Non, mais moi, je veux pas les voir. Mais si, Clara. J'ai peur. Mais faut pas avoir peur. Si. Nous, on est très courageux. Il y a des trucs bizarres qui se passent tous les jours chez nous. Avec Sirenhead, avec la sorcière, avec Piggy et tout. Tu vas pas avoir peur d'eux. C'est bon. Vas-y, vas-y, Lily Rose. Vite, vite. Oh, punaise, le grenier. Mais effectivement, il y a eu plein de bazar ici. Quoi? Ils ont tout pris. De quoi ils ont tout pris? Mon armoire, j'avais une grande armoire avec plein de vêtements. Elle est plus là. Mais c'est une blague. Ah, vas-y, t'as ramené le dispositif? Ouais, c'est bon. Alors vas-y, démêle tout. Moi, alors, si les continue, je prends mon sac de voyage et je me casse de cette maison. Et je prends pas, tout ce que je peux dedans. On dit pas je me casse, on dit je m'en vais. Quand on est respectueux déjà. Je suis respectueuse. Alors bon, voilà, démêle tout ça. Alors mets un casque, Clara. Vas-y. Oula, c'est un peu emmêlé. Oula, oula. Qu'est-ce qui se passe? Oula, ouais, oh, on casse pas le matos. Mais il est nouveau. Vas-y, mets un casque. C'est en wifi Bluetooth. Voilà. C'est en wifi Bluetooth, vas-y. Et donne-moi le dispositif. Voilà. Le dispositif. Donc ça, c'est pour capter les fantômes. Hein. Et ça capte aussi tout ce qui est Miel Pops. Hein? Ouais, oui, je sais pas si c'était écrit ça sur le site. Allez. Allez, c'est parti. Dites-moi si vous... Maman, c'est sur off, voilà. Dites-moi si vous captez un truc. Je vous filme. Attends. Je filme vos réactions. Attends, j'entends un truc, là, j'entends un truc. Stop. Quand t'es là. Vas-y. Non. Ah, j'entends un truc. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils nous disent, partez d'ici, c'est notre maison. N'importe quoi. Moi, je sentis quelqu'un qui me touchait. C'est vrai? Qui me faisait ça. Ah, oui. Attends, mais c'était par où, il est? Là. Je vais utiliser l'application, on va essayer de le voir, ok? Oui. J'entends un truc. Vas-y, donne-moi le... Comment vous vous appelez? Ja. On s'appelle comment? Lily Rose, Clara et Esteban. Vas-y, donne-moi le casque, je vais essayer d'écouter, je vais mettre l'application, on va essayer de le voir. Les amis, restez bien sur la vidéo. On vous veut que du bien. À une main, c'est pas facile. Les amis, restez ici pour nous voir. On va vous sortir d'ici, vous allez rejoindre le monde des rêves. Le monde des gentils. On ne veut vous pas du mal. On ne veut vous pas de mal. On ne veut vous pas de mal. On ne veut vous pas de mal. On ne veut vous aucun. On ne veut vous pas de mal. On ne veut vous pas de mal. Ah bah oui, on ne veut vous pas. Lily Rose, aide Clara à essayer de le trouver. Si, vas-y. Attendez, c'est bizarre, je n'arrive plus à trouver l'application là. J'arrive plus à trouver l'application. Mais où est-ce qu'elle est? On va pas pouvoir. Oh là là, c'est pas possible. Les amis, j'ai l'impression que l'application c'est des... Ah, c'est bon. J'ai cru qu'elle s'était désinstallée toute seule. Regardez, je lance le Phantom Detector. Allez, let's go. Bon, on a... Ah, n'arrête pas de les interpeller, Clara. Interpelle-les. Eh oh, on ne veut
C'est pas... veut pas du mal. C'est parti. On va faire ça. Ah, il est par là. C'est vrai? Il est oui, par là. J'entends quelque ah, chose. Vas-y, va par là. Non, moi j'ai peur. J'ai peur. Il est là. Il est là, Clara. Il est où? Il a 43 ans. Il a 43 ans. Ça fait 43 ans qu'il est ici. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est là. Il est là le bonheur. Il est là. J'ai peur. Non, faut pas avoir peur. Mais chasse-le pas comme ça, voyons. Il s'appelle Cristobal. Ah, Cristobal, ça me dit quelque chose. Cristobal, qui veut des balles? Enfin, du... Chut. Attendez. On va rester là. Attends. Mets les metteurs vers là-bas, j'entends un truc. Attends. Il veut manger des sushis? Hein? On en a pas. Il me dit, je veux des sushis. On n'en a pas, monsieur. Mais comment il va faire pour les manger en même temps? Les cadres, ils sont tombés. C'était peut-être sa maison. C'était peut-être à lui, c'est peut-être lui qui les a peints. Regarde, c'est peut-être Cristobal et sa pote. C'est Cristobal et ses amis. Ils sont peut-être tous enfermés dans le grenier en fait. Ils sont marins. Et ils veulent tous sortir. Oui. Mais là, je sais pas ce qui se passe. Bon, les amis, en même temps, il y a l'air d'avoir beaucoup d'activités depuis que Clara t'a enlevé des affaires ici. Ils m'ont l'air d'être tous un peu excités. Pas dû, franchement. Mais je fais comment, moi, pour ranger? Bon, bah, tu ranges pas, hein. Tu changes de maison de campagne. Je pense qu'il faut déménager d'ici. Ouais, je vais prendre toutes mes affaires. Bon, ouais, il faut prendre un truc ailleurs. Cristobal! On a une photo de lui. Tu penses que c'est Christo? Avec sa copine. Sur la tête. Ok, bon. Bon, les amis, en attendant, attends, vas-y, reprends ton casque là. Moi, j'entends plein de bruits bizarres. J'entends comme des gens qui font prout-prout. J'espère qu'ils sont pas en train de me prouter dessus là. Bon, allez, c'est parti. Bon, Clara, maintenant qu'on sait qui vit là, tu peux dormir tranquille, ok? Tu peux arrêter de nous appeler à 3h du matin. Est-ce qu'il va encore faire la fête avec ses copains? Et le soir, si t'entends ça, tu dis Cristobal, arrête. Voilà, est-ce qu'il va arrêter aussi? 1, 2, 3, Cristobal, arrête. Voilà, allez, c'est... Allez, on y va, c'est bon. Remballe le matos. Oh là là, j'en ai marre. Allez, rends-nous le matériel. Merci. Tu peux dormir au grenier, ils sont tous partis, hein, t'inquiète pas. Merci. Allez. Bon, les amis, on va laisser Clara ici, nous on va rentrer chez nous. Non, on espère que tous les fantômes qui étaient chez nous sont arrivés chez Clara. Ça va nous laisser tranquille un peu. De toute façon, vous aurez la suite au prochain numéro, vous inquiétez pas. Bon, en attendant, vite, Clara, Lyrose, on part d'ici. Part d'ici. Oh, trop bien, on a l'impression que les fantômes de chez nous ils sont partis ici. Bon, en attendant, vous pouvez liker, vous abonner, cliquer sur une vidéo qui apparaît, cliquer sur la cloche ou cliquer sur une vidéo qui apparaît ici ou aller voir notre chaîne. On a fait plein de vidéos, il y a 400 vidéos là. À la prochaine, bye bye. Bye bye. Elle revient. Oh, part de la maison. Oh là là, j'ai peur. Bye bye. Oh.